Chers Surinois, chères Surinoises, au terme de cette année 2022 qui a été très secouée pour notre pays, pour vous, avec ces crises internationales, cette guerre en Ukraine, cette crise énergétique et ses conséquences sur notre pouvoir d'achat, je voulais néanmoins témoigner d'une très belle année 2022 ici à Suresnes, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, à celle de vos élus, à celle des services de la ville, pour que nous construisions ensemble cette belle ville de Suresnes en suivant notre contrat de mandat dont vous pouvez constater qu'il se déroule et il commence à prendre chair dans notre ville. Je veux aussi vous témoigner que nous aurons tous besoin en 2023 de conjuguer une énergie positive autour de ces belles valeurs de Suresnes que sont la solidarité, la convivialité, l'innovation et puis le souci évidemment de l'environnement. Et vous dire qu'avec vous, nous allons continuer à construire cette ville. Je voudrais, à quelques jours de cette fin d'année, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un très joli joyeux Noël, et puis avoir une pensée pour ceux qui passeront peut-être ces fêtes seuls, éloignés de leur famille, parfois à l'hôpital, et puis aussi ceux qui sont loin de notre patrie et qui servent notre pays sous les drapeaux, et je pense en particulier à notre unité de marins aviateurs que la ville parraine, la 12F du porte-avions Charles de Gaulle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023, et j'espère pouvoir compter sur vous tous et vous toutes à nos côtés pour construire cette belle ville de Suresnes.